La situation de l'insécurité alimentaire nous a interpellés. L'inflation telle qu'elle est nous a aussi interpellés. Et nous avons décidé d'aller chercher des moyens pour mitiger la situation, pour que les gens ressentent de façon moins importante ce qui se passe. Et nous avons localisé les fonds que nous avons pu trouver au niveau du ministère des Affaires sociales, qui est un ministère leader, mais qui ne va pas exécuter l'ensemble du programme. Et nous avons fait appel à différentes entités. Nous avons vu une partie du programme maintenant qui concerne le ministère de l'Agriculture, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce programme a nécessité beaucoup de réunions. Moi, je ne suis pas atteint de la réunionite, mais il nous faut coordonner mieux ce que nous faisons. Il nous faut être plus imputable, c'est-à-dire que dans ce programme, il nous faut faire une reddition des comptes. Et nous avons décidé que au niveau financier, la reddition des comptes serait une reddition mensuelle, avec un audit trimestriel. Donc, c'est-à-dire, ce que nous demandons beaucoup de rigueur. Nous demandons aux uns et aux autres d'anticiper leurs actions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons préparé des fiches de rapport avant même le démarrage des projets, du projet, pour qu'en sorte qu'au mois d'octobre, nous puissions boucler ce programme et produire un rapport en conséquence. Nous avons dit que nous voulons la reddition des comptes. Nous voulons aussi que ce que nous allons accomplir soit connu, soit mesurable. Monsieur le ministre de l'Affaires sociales, mesurable. C'est important pour nous. Et surtout, nous voulons de la transparence, c'est-à-dire avant de commencer le programme, tout le monde sait ce que nous allons faire, tout le monde peut suivre ce que nous allons faire et tout le monde peut nous demander des comptes. Moi, j'aimerais aussi beaucoup de complémentarité et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je tenais beaucoup à ce que nos partenaires techniques et financiers soient présents aujourd'hui pour que nous sachions tous ce que nous allons faire et voir comment nous pouvons mieux potentialiser ce que nous faisons. Les sommes investies ne sont pas proportionnelles aux besoins, ne sont pas proportionnelles à la crise qui sévit, à la pauvreté que nous constatons dans ce pays. Mais au moins, ceci aura l'effet d'indiquer une porte de sortie, une manière d'améliorer notre pratique, notre façon de faire, pour que notre population souffre beaucoup moins. Nous disions donc que nous aurions une évaluation. L'évaluation aura lieu pour moi, pour ce programme, de façon trimestrielle aussi. C'est que nous nous asseyrons et nous verrons si nous allons dans la bonne direction. Ne pas attendre septembre pour que nous sachions ce que nous faisons. Enfin, je voudrais dire qu'il nous faut rechercher des effets multiplicateurs à ce que nous faisons. Il faut qu'à la fin de ce programme, au mois d'octobre, même s'il y a des circonstances adverses, que notre population se retrouve dans une meilleure condition que que la situation dans laquelle elle se trouve maintenant. Je veux dire merci aux partenaires techniques et financiers d'être venus, d'avoir pris du temps avec nous. C'est un programme qui nous tient à cœur et nous voulons bien être jugés sur les résultats de ce programme. Merci aux cadres pour leur présence. Merci pour ce que vous ferez pour que nous ayons du succès dans ce que nous entreprenons.